Salut tout le monde, c'est Gentle Storm, je suis avec Mauvais Vitrier, salut! Salut à tous. Et on se retrouve pour un nouveau type d'émission sur la chaîne GameSphere. Donc on va faire des commentaires de speedrun. Ouh là là, quelle originalité! Mais bien sûr, ça va être des commentaires sur des speedruns de jeux indépendants. Donc on va essayer de vous trouver des speedrunners qui sont passés sur Twitch, qui ont fait un petit jeu indé très rapidement. Donc là, pour cette première vidéo, bah, il n'est pas très connu, ce speedrunner. Je crois Non, qu'il a non. même pas du tout quasiment. La vidéo a 12 vues sur YouTube, donc Ouais, il a quand même pas mal participé au topic sur Speed Demo Archive, le topic d'Anodyne. Et donc oui, donc c'est Anodyne. Oui, j'ai oublié. Donc Anodyne qu'il a terminé en Alors, c'est 4,57. Alors, 4,57, c'est le arrêt du chrono au dernier input. Le temps qui a été retenu par le jeu, c'est 5, 17 ou 19, il me semble. Ouais, un truc dans le genre. Alors, juste avant de démarrer la run, qui va faire très peu de temps, j'ai juste parlé du développement d'Anodyne. Donc, ça a commencé en mars 2012, donc avec Sean Hogan. Hogan, ouais. Ensuite, quelques mois plus tard, il a rencontré Jonathan Kitaka. Et donc, ils étaient un peu tous les deux fans de Zelda et tout. Donc, ils ont travaillé sur ce Zelda-like. Ça, on peut pas le nier, on peut pas dire que c'est le contraire. Ouais. Et donc le jeu est sorti presque un an plus tard, donc en mars 2013. D'abord sur PC, et ensuite plus tard il y a eu des versions mobiles qui étaient un peu buggées au début, maintenant ça va. Ouais. Et récemment, ils ont sorti une version japonaise sur laquelle justement ce runner va jouer. On précise que le runner qui s'appelle Darren, il me semble, n'est pas japonais, mais il joue sur la version japonaise qui permet de. Les Ouais. dialogues en fait sont plus courts, Voilà, donc vu que le moins langage de temps de japonais dialogue. permet de faire apparaître plus de caractères à l'écran. Et bien, je te propose qu'on démarre. Ouais, on démarre ça tout de suite. C'est parti. C'est parti. Voilà, donc le jeu démarre en Ouais, donc il relance japonais. sur la partie ori sur le fichier original et il a fait des tentatives pendant toute la nuit. Il n'arrivait pas à passer certains endroits. Donc celle-ci, c'est la bonne. Donc la petite Donc en phase fait, de tuto ouais, habituelle, ouais. on est réveillé par une voix mystérieuse qui nous dit que voilà, on a besoin de toi, enfin de Ouais, Young, le personnage principal. comme dans les Zelda, on est toujours réveillé au début du jeu. Ouais. Mais là, on est réveillé, mais peut-être pas, en fait. Ça, on en discutera plus tard. Alors, le fameux sage, on le zappe vite fait. Voilà. Hop, Et là, voilà. très rapidement, une petite optimisation. Puis une deuxième. Donc en fait, ce qu'il a fait au tout début, c'est que il est entré dans le portail à la première frame disponible. C'est pour ça qu'on l'a vu sauter à travers le portail. Et ensuite, en arrivant, en ayant passé le portail, il s'est retrouvé dans une zone. Et là, ce qu'il a fait, c'est qu'il a ouvert le menu et il a fait retourner au début de la zone, qui en fait l'a téléporté une salle plus tard. C'est pour ça donc qu'il a gagné une salle en gros. Ouais, c'est un petit skip, mais assez utile. Ouais, qui fait gagner pas mal, enfin, un tout petit peu de temps. Par contre, là, le deuxième skip qu'on a vu, celui-là, il a fait gagner quand même beaucoup plus de temps, Et puisque. Ouais, on le verra tout le temps, celui-là, ça on le verra c'est. tout le temps. Ouais. Parce qu'en fait, logiquement, à l'endroit où vous l'avez vu grimper sur le mur et faire droite gauche, en fait, normalement, on est censé aller dans la salle de gauche et récupérer un balai qui est l'arme de notre personnage principal. Et là, ce qu'il a fait, c'est que en faisant simplement droite gauche sur le coin d'un écran, ça lui a permis de monter sur une structure comme là, ils viennent de le faire. Et donc de passer au travers et d'éviter une zone qui était fermée. Voilà. Et donc en faisant ça, comme vous pouvez le voir, ça lui permet de sortir un peu du jeu. Ouais, donc ça c'est quelque chose qui est prévu. Donc là on voit que c'était entre guillemets glitché, mais c'est quelque chose qui est permis par le jeu. Et donc en fait ce qu'il a fait c'est qu'il est sorti du jeu à un certain endroit pour re-rentrer à un autre et arriver au niveau de la zone de chargement de cette zone-là qui est la prairie. Voilà, moi au début je connaissais pas du tout que le jeu était glitché exprès, donc quand j'ai vu la vidéo je pensais que c'était un problème du fait que justement il cheat un peu, quoi. Ouais, alors que non, pas du tout, c'est vraiment prévu. À la fin du jeu, on récupère un objet qui nous permet justement de sortir des. Alors là, second passage, enfin normalement là il faut sauter en fait. Voilà, et normalement, il faut récupérer des bottes qui nous permettent de sauter, et là, ce qu'il fait, c'est que. Il passe Il. comme un porc, quoi. Ouais. Il faut le dire.
Il passe comme un porc. En fait, il dit qu'il a réussi à trouver une strat qui était plutôt safe pour le passage de ces deux lignes de trous, de gouffres. Et Ouais. donc, en fait, bon, on va pas vous l'expliquer en détail, mais c'est une sorte de. C'est des combinaisons de touches. Quand il bouge vers la gauche, il préfère appuyer en même temps sur la touche du bas. Ça lui permet de passer plus facilement. Parce qu'on a vu dans ses précédents runs, en fait, qu'il avait tendance à se foirer très régulièrement à cet endroit-là. Ouais. Et Bon donc là, là, bah, il fait on rebelote. exactement ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que là, il va sortir des limites du jeu pour aller chercher la zone de chargement de la fin, déjà. Dire que j'ai plusieurs heures de jeu et je l'ai pas encore fini, donc Bon, il dure pas très longtemps. Donc là, en fait, non. il re-rentre dans le jeu pour charger la prochaine zone, qui est celle-ci, qui est la zone de fin, justement. Et attention, on rebelote. Donc c'est le glitch à tout faire, c'est comme la barre de fer, ça nous permet vraiment vraiment d'abuser du jeu comme ça. Et donc on a vu aussi que le développeur Sean Hogan était passé plusieurs fois par le forum de Speed Demo Archive et qu'il était absolument émerveillé de ce que les joueurs avaient réussi à trouver pour gruger son jeu. Et Et donc apparemment, c'est pas si dur à faire que ça. Tu t'as essayé, il me semble, et. ouais, j'ai essayé, c'est vraiment pas dur, ça demande un petit coup de main, mais rien de bien méchant. Et donc là, ce qu'il fait, c'est qu'en fait, il va continuer jusqu'au bout de cet écran, en Oh. skippant tout le chargement des personnages, des cinématiques, enfin des cinématiques, des dialogues. Donc là, normalement, on est censé avoir une discussion avec quelqu'un et de passer deux donjons pour activer bah, justement la flotte qu'on voit à droite et à gauche, la lave, qui donc Ouais. t'ouvre le passage en haut. Et Mais nous, on s'en fiche. Ouais. lui s'en fiche, il a vraiment vraiment pas le temps de faire ça, donc il préfère s'amuser avec la machine. Il essaie de nous faire vomir, là, un peu, j'ai l'impression. Et donc du coup, en fait, ce qu'il va faire, c'est, voilà, Voilà. il touche la zone de chargement de la fin, Et et la ça lui main. permet. Attention, dans quelques secondes, ce sera bientôt la fin. Et en fait, là, ah non, j'ai cru qu'il avait skippé les dialogues, mais en fait, non, c'est pas le cas. Non. Et donc là, en fait, ce qu'on va voir, c'est que il y a lui qui vient discuter, celui qu'on a vu au tout début. Et voilà, là c'était le dernier input, donc 4,57. 4,57, c'est rapide. Et le jeu se termine, c'est extrêmement rapide. Bon, le jeu, on peut le terminer, je l'avais testé, je l'avais fini en 6 heures. En sachant qu'après, il y a la quête des 100% qui te permet vraiment, vraiment Le rallonger, ouais. de rallonger la durée de vie. Ouais, tu peux bien aller jusqu'à 9-10 heures. Moi j'avais commencé avec, sur la version iOS, donc elle était buggée au début, quand on sautait ça marchait pas très bien. Ouais. Donc j'avais un peu mis de côté le jeu parce que ça m'avait vraiment énervé. Ah, c'est vrai que les sauts ont fait rager plus d'une personne. Et bah donc là, vous avez vu à la fin qu'il y a une personne qui apparaît. Enfin, en gros, autour de ce jeu, il y a quand même toute une série de théories qui s'affrontent quant au véritable sens du jeu et à l'histoire, en fait. Où nous mène l'histoire, bon, sachant que le développeur, lui. Oui, je sais pas non plus, c'est ça? Ouais, en fait, il s'en fiche. Donc là, on voit le temps affiché, 5,14. Ah, 5,14. Donc ça, c'est le temps in-game, du coup. Même si le dernier input a été enregistré à 4,57. Ok. Et donc Oh du là là. coup, le personnage qu'on a vu au tout début qui s'appelle... Donc là on n'a pas vu puisque c'est sur la version japonaise, mais en fait il s'appelle Sage, l'ancien du village. Et derrière lui il se trouve une sorte de statuette de fleurs, on dirait de plantes. En fait on dirait un arbuste. Et cet arbuste nous dit, bah, en fait il n'a de sage que le nom. Puisqu'il n'est ni sage, il n'est ni l'ancien du village. Sous-entendu, il n'y a même pas de village. Et donc en fait, Ok. si on fait une petite recherche, en fait au tout début, on te dit que Yong, le personnage principal, a été amené ici car les ténèbres se sont répandues sur le pays et que ces ténèbres sont à la recherche du brillard légendaire. Et donc en fait, Ok. le brillard... Il a plusieurs sens, ça peut être un églantier des rosiers sauvages, ou alors ça peut être de la bruyère tout simplement. Et en fait, quand tu prends le nom du vieux, de l'ancien du village, sage, en fait ça peut vouloir dire sage avisé, mais ça peut aussi vouloir dire la sauge, qui est aussi un arbuste. Et donc du coup, ça colle aussi avec le petit arbuste qui se trouve derrière sage au tout début et qui te dit.
Il n'a de sage que le nom, en fait, il n'est pas qui il prétend être. Et donc, c'est pour ça qu'on le voit à la fin, en fait, ce que le runner a fait, c'est qu'il a skippé toute une phase de dialogue et d'élucidation, en gros, de certaines parties de l'histoire. Et donc, en fait, on se rend compte que déjà, dès le début, il y a des éléments qui nous sont donnés, qui nous aident, en fait, à remettre en question l'histoire qui nous est présentée. Donc à pas prendre tout pour argent comptant. Ok, donc ça va plutôt loin, je trouve. Ça va plutôt loin, et encore c'est un truc qui a pas pris longtemps, qui m'a pas pris longtemps à découvrir, mais il y a quand même pas mal de gens qui discutent de ça sur des forums, et donc c'était suffisamment intéressant pour être notifié. Parfait, t'as bien raison. Voilà, donc du coup, on espère que vous avez apprécié cette première vidéo dans le genre que nous expérimentons sur la chaîne GameSphere. Et on se retrouve plus tard pour une prochaine vidéo. Voilà, et si vous avez des jeux à nous proposer, s'il y a quelques speedruns qui vous intéressent, vous nous le dites si on jettera un coup d'œil. Ouais, pas de soucis, et bien donc à bientôt, et à la prochaine. À la prochaine, ouais. Ciao, allez, ciao.